festivités, réjouissances et cadeaux également pour les enfants des journalistes et professionnels de la communication de la région du Gontougo. L'Union des journalistes professionnels et communicateurs du Gontougo a organisé à l'occasion de la célébration de la naissance du petit Jésus un arbre de Noël pour les enfants, les hommes et femmes de médias du Gontougo. Anissé Kouadio, notre correspondant membre de l'Union, était présent. Ils sont venus très nombreux, les enfants de l'Union des journalistes et communicateurs de la région du Gontougo. Lors du gigantesque arbre de Noël, c'est tout sourire que ces bouts de chou, énormément amusés à travers des chants et des danses devant leurs parents, ainsi que les autorités et les personnalités. La volonté de voir nos enfants vivre la joie de Noël. Les journalistes et communicateurs vivent des moments difficiles, quelquefois font face à des difficultés financières. Donc pour nous, il fallait éviter que les enfants soient sujets à ces difficultés-là. Qui vivent la Noël comme tous les enfants de Côte d'Ivoire. Cet arbre de Noël, la première du genre, organisée pour les enfants de journalistes, professionnels de médias et de communicateurs du Zonzon, en a à sa première édition un instant d'échange et de partage afin de permettre aux enfants, dont les parents sont toujours absents, de ressentir la magie de Noël. Les enfants de journalistes, communicateurs de la région du Gontougo vous disent infiniment merci pour ce geste de montrer votre amour à notre endroit. Que Dieu vous le rende au centuple. Cette initiative, appuyée et soutenue par les autorités de la ville, notamment l'honorable Maïzan Kofi Noël, directeur général du Fonds de garantie automobile, parrain de l'activité, le maire de la commune de Bondoukou et également le soutien du conseiller régional, M. Kwasi Kravensan, ont voulu, à travers leur concours, participer à l'épanouissement des enfants en cette période festive. Tu leur es dédié. Notre lutte, c'est de lutter, de bien éduquer nos enfants. Nous sommes au seuil de l'année 2024. Votre parrain, l'honorable Maïzan Kofi Noël, il a répondu favorablement à votre appel. Notons que l'Union des journalistes et communicateurs de la région du Gontougo a été créée le 27 juillet 2023 et entend promouvoir l'entente, l'entraide et la confraternité entre tous ses membres.